Salut YouTube, bienvenue pour un petit pouce bleu. Ouais, je sais pas pourquoi j'avais envie de faire un petit pouce bleu là pour une nouvelle découverte. Aïe 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 aïe, aïe terrible, terrible. Où est-ce qu'on est? C'est là. On découvre The Cub, un petit platformer narratif là. Attention là, dans la jungle. On est dans la jungle. C'est immersif, hein, attention. Hein. Ça a été développé par Demagog Studio et édité par Untold Tales et Gamer Sky Games. Gamer Guy, Sky Games. Ça fait beaucoup de Gamer Sky Games. Et donc, c'est sorti le 19 janvier 2024. C'est assez récent. C'est la 1.0. Je crois qu'il n'y a pas eu d'early sur le jeu, il me semble. Je ne sais pas du tout. En tout cas, voilà. On remercie donc aussi, d'ailleurs, Demago Studio, Untold Games et Gamer Sky Games pour nous avoir fourni une clé du jeu. Merci beaucoup. Arigato gozaimasu. Testons un petit peu ce jeu narratif. Et n'hésitez pas, YouTube, à mettre un petit message dans les commentaires, un petit abonnement, un petit suivage, quoi, un petit pouce bleu aussi si ça vous plaît, histoire de soutenir la chaîne si vous en avez l'envie. Bien entendu. Gros chapitre, paramètres. Oh, mesdames. Nouvelle partie. Oui. Oui, on veut une nouvelle partie. Est-ce que c'est... Ah. Joli. Oh, il est solide. Oh, il est solide, le petit, là, quand même. Ok. Moi, je voulais toujours à gauche, hein. Ah, il a un double saut. Oh, mais il est trop fort. Là, là, je vais doucement, ok. Oula. Oh là là. Ça a ramé du cul, là. Sauter plus loin. B pour rouler à un atterrissage. Quoi sinon quoi? RT? Pour pousser et tirer des objets. Ah c'est joli hein quand même. Salut Morty! Bonne lore Morty, ça va? Tout va bien? T'arrives pile poil pour un jeu... Ah voilà un jeu que j'ai dans ma bibliothèque! Incroyable. Ça m'étonne pas, t'arrives pile poil pour le jeu. Dans les airs pour effectuer un double saut. Ah oui d'accord, ah putain mais c'est accrobranche. Où c'est que ça? Ah, il est décédé. Waouh! Ah mais vous rappelez-vous? Rappelez-vous? C'est le jeu de golf dans l'espace. Vous vous rappelez le jeu de golf dans l'espace que j'avais pas trop kiffé d'ailleurs? Mais c'est dans le même univers que ça. Wasteland, Golf Wasteland of the World. Ah merde, je sais plus. Je regarde le début. Et si je confirme qu'il me plaît, je te muterai. Ah bah d'accord, super. Ok. Ouais, Tarzan, ouais. Ok, on est sur un remake de Tarzan. Par contre, la cam ici, c'est pas bon. Elle est où la cam? Faut que je me mette là. Je pense par là. Ouais. Parce que quand même, ça se passe devant nous. C'est un scroller, là. Y pour interagir. Terminer le prologue. Waouh. Il y a comme un loup là. Ah ça y est. Il a fait très chaud. Les poissons du lac sont morts. Les plantes ont jauni. Les oiseaux ont arrêté. Et il y a eu de tonnerre mais pas de pluie. Vous appelez cette période la grande catastrophe écologique. J'ai entendu le cœur de ma mère battre sur le chemin d'Alphaville. Les gens nous ont chassés. Je me souviens l'avoir vu conduire entre les buissons courant sur la route. Puis on a atteint une ville inondée avec des réfugiés sur des bateaux. Soudain, j'ai plus trouvé ma maman. J'étais effrayé, tout seul. Ah, je n'aurais jamais su si elle est morte ou pas, si elle m'a abandonné. Je me souviens que des fusées partant vers Mars. Ils ont abandonné la Terre. Et comment a commencé cette nuit-là? J'ai couru au cœur de la forêt. Une louve m'a trouvé et m'a élevé avec ses petits. C'est Sigurd de l'Aveyron. Les gens qui m'avaient pu monter des fusées à cause de l'environnement en mutation, terrible. Mais nous, les orphelins, les animaux, on ne combattait pas. On s'est plutôt adapté à la nature qui a repoussé sur les ruines. Les lunes ont passé et un jour, les humains sont revenus. Pour faire du golf.
Ils se disaient des martiens. Oui, c'est ça, ils font vraiment du golf. Ils volaient dans le coin tout en jaune. Ils chassaient et jouaient au golf. Je volais leurs balles pour m'amuser. Et je crois qu'on le voit dans West, le personnage, le petit. Et puis un jour, j'ai trouvé un martien mort. Je lui ai retiré son casque et l'ai enfilé. Il y avait de la musique dedans. Après des années à ne parler que le loup, j'ai écouté la radio martienne et réappris le langage humain. Ah bon ? Une fois le groupe reparti, une pleine lune plus tard, je chassais un gros insecte. Quand un nouveau vaisseau martien est arrivé, vous avez l'air méchant cela. J'ai vite compris qu'il ne venait pas en paix. Ah. Fils de l'humanité. C'est parti. Bonjour à vous, citoyens d'Algo. Tesla, vous écoutez bien Radio Nostalgie sur Mars. Émission pour ceux qui regrettent. Une soupe de minestrone. Ah oui, c'est sûr. Ah, le sound design est sympa. Un peu fort, peut-être. Allô ? Peut-être baisser un peu. Ça me semble pas mal. Sentir l'arrivée de la pluie. D'autres termes, peut-être... Allez, on peut mettre la radio un peu plus fort. Pardon. C'est pas mal comme ça. Nos jours perdus sur Terre. Ça, c'est fluide. Ah, l'idée, cette chanson, je crois. Elle était stylée, hein, de mémoire. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Alphaville. Donc nous, on a un enfant qui est, il est né sur Terre, en fait. Il est né sur Terre. Voilà. J'ai pas sauté. Ah, j'ai un petit... une espèce de dash où je peux glisser. Ah, c'est stylé. Voilà. Appuyez sur B, pas... Pendant la course pour glisser, ça sert à quoi ? Ah, peut-être je peux passer. Ah oui, il y a un trou, pardon. Attends pour moi. Ah, il y a un truc à gauche. Je peux me rattraper, non ? Ouah ! J'ai pas vu ! Oh là, oui, d'accord, ok. Ah, c'est la mort instant. Instant death. Ok. Je vois. Je vois le genre de jeu. On a pas de PV. What ? Ah, j'avais pas vu qu'il balançait des queutrucs. Formidable. Ah, c'est Planet of Lana en fait. On est sur un Planet of Lana-like. Et comment je fais là moi ? Comme ça ? Mais je peux pas l'éviter ça. Ah, faut que je ressorte très très vite. Ok. Déjà les exigences. Ok, c'est le tuto, hein. On est sur le tuto, là. J'imagine c'est là. Ouais, mais si tu mets 3 ans... tu mets 3 ans, Michel. Ah, peut-être qu'il faut pas que je me dépêche quand je suis accroché. L'animation, elle est... J'arrive pas trop à savoir si j'aime bien ou pas. Les décors sont sympas, c'est joli. Plutôt joli, ouais. Est-ce que là il me tire dessus ? Non. Ok, donc faut que j'attende un peu. Non. Et merde. Faut faire le double saut. Faut faire comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà, bah déjà si je meurs là-dessus. Je vois aussi bien la ressemblance du gameplay. Faut pas que je les enchaîne. Ouais, non, faut essayer un autre truc. Son of the One.
Non. Voilà, c'est ça, il fallait se dépêcher. Oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est? Le bon appât. Disparition d'un célèbre journaliste d'investigation du courrier d'Alphaville. Ok, on va avoir du lore un petit peu, j'imagine, sur le... What? Mais non. Il l'a pas pris. Ok, c'est un jeu de... C'est de l'acrobranche, en fait. Et du coup, la musique était qu'est-ce qui se passe? Là-bas. Je peux continuer? Attends, il y a plusieurs chemins ou quoi? What? Oula. Il va me croquer. Il va me croquer ou pas? Ah, je sais pas trop. Salut chérie! Comment ça va chérie? Je vais pas jouer avec le serpent. Je sens que ça va se passer. La musique est cool. C'est original en tout cas. Youhou. Oh super. J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Ok. Waouh, c'est joli quand même. Tu peux monter là-dessus, non? C'est à peu près sûr. Il y a plusieurs chemins ou quoi, là? Ça se remet doucement? C'est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, des lingots d'or, ok. Mort avec son pognon. Grosse grippe. Ah bah, grosse grippe. Merde. Peut-être tu l'avais déjà dit, je suis désolé si c'est le cas. Message. Vous êtes écrasé en territoire hostile près du bunker ennemi présumé. Les alliés les plus proches sont à 15 km à l'ouest. Estimation. Vous avez environ 17 minutes pour atteindre une distance sécurisée. Alphaville est à 100 km à l'est. Ouais, ben là, il est resté que le pauvre. Les musiques étaient très cheloues aussi. Bon, en tout cas, remets-toi bien. J'ai raté l'échelle à gauche. Mais en fait, je sais pas... Non, c'est ça, en fait. Il y a pas plusieurs chemins, c'est qu'il y a des zones un peu cachées. Ok. Aïe. Ah, il faut que j'appuie sur B quand j'atterris. Non, mais l'échelle à gauche, je l'ai vue, hein, mais... Je me demandais justement s'il y avait pas des zones comme ça à explorer ou s'il y avait plusieurs chemins. Mais il y a pas plusieurs chemins. Je crois que la dernière fois, la musique m'avait bien plu et en même temps j'étais gêné en fait, je la trouvais gênante des fois. Tu comprends pas trop ce qu'il voulait essayer de montrer. Non mais quoi? What? Oh, la physique est bizarre. Là j'avoue, la physique était bizarre. Enfin, c'est gênant, je sais pas si c'est le terme, mais non. Mais je trouve pas ça fou. Hop là. Donc là, hop là, on essaie de monter au max. Non! Eh oui. Oui, faut se faire chier. C'est qu'il fallait relever un peu le truc. Non mais il y a des panoramas sympas, hein. Un morceau de pop des bambins, ça nous rappelle l'âge d'or du capitalisme, tout ça.
Sur ce, c'est l'heure d'une nouvelle histoire. Le moine a la vie en plein air et évoque le changement d'air qui nous attend. Sur quoi je peux marcher? Ah oui, là. Je savais pas trop à savoir où était le... côté du cul, ouais, tête. Je vais mourir. C'est bon. Mais bah, à mon avis, c'est passé de geste, hein. But it's like driving a janky VR simulation. It mainly means riding my motorcycle. My Jolene, even more. At 35, for 30 days in the blistering heat of July, I took a 4,600-mile trip across America on my motorbike. We set off from California, we zigzagged. Embuscade par les insurgés. Réussi à battre en retraite et se regrouper. Et ça, vu les cadavres, ils ont l'air anciens, très anciens. During the trip, et c'est Badian qui avait fait ce jeu, ouais, il avait bien kiffé. Oui, j'ai vu, ouais, qu'il l'avait testé. Ça a l'air bien moins maniable, non? Que quoi? Que Planet of Lana? Oui, c'est un petit peu moins, peut-être. Un petit peu moins, mais ça va, en vrai, ça va. 3 Vikings, 2 Isvarune. Il n'y a plus d'eau potable dans les régions contrôlées. Tais-toi, Ghislaine. Alors, c'est très drôle, mais... la radio m'avait saoulé dans l'autre. Alors que c'est une des features du jeu, quoi. Mais je sais pas. Hein. Pas saoulé, mais. C'est joli après. Ah, il y a un loup là-bas. Ah, il y a des loups même. Il y a plusieurs. Il était en promo il y a pas longtemps à 2€. Ah! Ouais, pour le coup, là, c'est. C'est j'ai une clé. Ah oui, d'accord. Stylé. Toujours regarder s'il y a des trucs cachés. Toujours pas. Est-ce qu'on peut aller sous l'eau? Ah, on peut aller sous l'eau. On a libéré des poissons. Maintenant, moi aussi, avec ma famille sur Mars. Après, c'est le... prendre le temps aussi de musique omniprésente. Bah, c'est une... Mais des fois, il y avait des musiques qui étaient désagréables, je trouvais. Pour moi, hein. Ah. Ah. Ah, c'est ballot. Ok. On s'est fait croquer direct. Salut, Sajdal. Oh, Sajdal, on vient de faire un Survivor, là. Juste avant, c'était... on aurait dit Tiny Rogs. Je dis ça comme ça, moi. Ça s'appelle Tiny Survivors. True story, bro. Il y a un truc à gauche là. Ça a l'air d'être un peu là la suite quand même. Hein. Aïe. Non mais il y a peut-être un truc à aller voir là. Il y a du lourd. Jeff Bozo. Jeff Bozo, on connaît lui. C'est notre patron. PDG, Dorinoco annonce des retards de livraison à Alphaville en raison des insurgés. La formule OGM de symbiose pourrait résoudre la faim dans le monde. Ou pas. En vérité, ou pas. Hein. Pourquoi? Ah, dommage, j'ai pas atterri sur la bonne. Electrocuted. Ok. Je vais où là? Ah, mais je peux marcher dans l'eau, mais faut pas. Voilà. Faut juste que je me dépêche. Il s'est pas accroché. Oh, le con. Je suis censé faire quoi? Ça? Non, 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 non. Bah ben oui. Mais attends, mais comment je fais pour monter? Je peux monter ou pas? Oh, c'est juste pour me faire yesh. C'est juste pour me faire yesh. Ok. Ah mais tu as déjà joué à Tiny Survivor? Oui.
On avait déjà testé la démo, et là on a retesté la 1.0, parce que la 1.0 est sortie il y a pas très longtemps. Ah non, il y a peut-être moyen de monter là. Je me mets bien au bout là. J'attends que les mollusques... Eh, GG. À quoi ça sert? À rien. Génial. Trop content. Et donc? Ah, attends, il y a un mollusque là. On va essayer d'éviter de... Mais... Je pensais que j'étais safe. Je ne le suis visiblement pas. Attends un peu. C'est des mollusques, hein. J'ai cru qu'ils allaient plus vite que ça. Il y a toute une famille là. La mif là. Et ben. Mais il y en avait 4. Putain, je crois qu'il y en avait 3. Oh, ça va être lent. Ça va être très très lent. C'est ça qu'on aime, hein. Peut-être pas, non. Peut-être pas ce qu'on préfère. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, j'avais vu. Bon, bah quand je vois le quatrième, c'est que c'est bon, je peux y aller. Là, c'est bon. J'apprends, hein. Au moins j'apprends. Vous pouvez pas me retirer ça. Je fais de la merde, mais j'apprends. Eh, ils sont relous, hein. Easy. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Il y a des animations qui sont très sympas, genre la glissade et tout, les stylés. Et en même temps, je sais pas, il y a un côté un peu rigide quand même, ouais. Mais dans Planet of Lana aussi, c'était... on pouvait ressentir ça. Où est-ce que tu veux m'amener là, Michel? Oh putain. Quoi? Il s'est pas accroché? C'est pas une arnaque, ça? Attends. Je suis censé faire quoi là? Attends, doucement, doucement, doucement. Arrête, arrête. Ah, c'est bon. Non! Mais quel teuteux! Je suis deg, il s'est pas accroché. Ah, ça par contre, c'est pas bon ça. Ça, c'est pas bon. Parce que là, j'ai été, hein. Voilà, je sais pas pourquoi tout à l'heure il s'est pas accroché comme ça. J'aurais pu là. On va attendre, on va être patient. En tout cas, t'as une histoire à voir très sympa. Elle est gratuite, hein. Et en plus, gratuite, quoi. Après, la musique comme ça est stylée, hein. Je sais pas où je vais, mais j'y vais, hein. J'ai dû rater des que trucs. Salut! Mais quoi? Il s'est accroché! Putain, mais des fois je veux pas qu'il s'accroche. Il s'accroche tout seul. Il a bougé! C'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non! Blue skies, warm days, the long lost summer has passed away. Will we ever return? Stay tuned for more on that. J'ai sauté trop tard, ça. Ouais. J'ai pas de double saut? What? Là, je comprends pas. J'ai pas de double saut? Après une glissade, j'ai peut-être pas de double saut. Ah! Ah, j'ai pas de double saut après une glissade. Qu'est-ce qu'il fait? Ah putain, il y avait un fil, d'accord, d'accord, ok. Oh non, oh, c'est chiant. Ok. Il y avait un fil, c'est ça? Là. Ah, ok, ok. Aïe.
Ok, salut. Le lit de la jungle, formidable. La force de la meute est dans le loup. La force du loup est dans la meute. Ça, on savait ça. Petit message. Charlie, je te souhaite bonne chance pour ton vol vers Mars. Et merci pour ton invitation. Tous ces gens, membres du conseil d'Alphaville et leur famille, comptent sur ton adresse au pilotage. Regarde-toi, quel héros. Mais je ne rejoindrai pas la mission Espoir. J'ai préféré revenir dans mon chalet en montagne. À la différence de toi, mon cher ami, la tête dans les étoiles, je suis un terrien pur et dur. Je ne bougerai pas. Je ne manquerai ce spectacle terrestre pour rien au monde. Bon voyage, mon ami. Pete. Eh oui. C'est joli quand même, hein. Alors Morty, qu'en penses-tu? Je suis censé faire quoi là? Je peux grimper là? Ourson violet Teb. Bravo. Ah oui d'accord, ok. Par contre le lit, les matelas, le ressort, c'est, ça déconne zéro. Hein. Diarrhée architecturale, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Principal magazine mensuel d'Alphaville sur l'architecture et le design d'intérieur. Suivez-nous sur nos réseaux et regardez nos vlogs pour découvrir en exclusivité les demeures des célébrités. Ah, d'accord. Diarrhée. Je rate que d'un œil, j'ai du taf, mais ouais, je le ferai, je pense. Je vais attendre pour pas enchaîner avec Planet of Flag qui se termine ce soir. Ah oui, en effet. Oui, c'est vraiment très proche. Je ne quitte pas la cage. C'est trop dangereux ici. Ah. Qu'est-ce que tu racontes d'autre? Je vais dire que ça. Je ne sers à rien. Du PQ. Ah. Ah si. T'es... Oh non. Quoi? Quoi? Non! Alejandro, non! Oh, les sopes, quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, je vais mourir, là. Une énième mort. Regardez bien. Ah oui. Ah, c'est bien, on était caché par le décor. On a été grignoté. Ok. What? Je suis censé faire quoi? Vite! Cours, cours, Patrick, cours! Ils vont plus vite que moi là? Non, non, ils vont aussi vite que moi. What? Ok, course contre la montre. J'ai pas peur. Non! Oh le con! Eh oui, eh ben Rattraped! Bah oui, Rattraped aussi là! D'où tu t'es Faut que je m'en retape tous, c'est ça? Eh oui. Mais putain, déjà je. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas si ça me fait aller plus vite. Putain, mais des fois, je veux qu'il dash et il fait pas du tout ça. Ok. C'est bon. Bah, je sais pas si c'est bon, mais... J'ai réussi à faire une roulade. Et dans l'eau, ils viennent pas? Oh non! Baisse-toi! Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que ces conneries. Mais c'est trop dur. Ok. Ils sont vénères. En tout cas, les abeilles sur la terre. Oh non, mais non. J'ai appuyé sur le saut. Je vous jure, c'est vrai. Je vous jure, c'est vrai. Ouais, faut vraiment pas se rater, quoi. Belle roulade, ça c'est une belle roulade. Oh, tenting.
Mais non! Je suis censé faire quoi là? Échapper aux abeilles. Ouah, mais non, mais. C'était impro. Ils sont allés bouffer les bisons là ou quoi? Ça va les gars? Ah oui! Ah, une petite ambiance là ici. Do not cross. Oh! Attrapède! Ils veulent bouffer, ouais. Bah ouais. Ah, mais c'est la survie, hein. Ah. Ah. Ah, ok. On joue donc à The Cub. Incroyable. Hey, moi j'aime bien quand même, hein. Il y a une petite ambiance, hein. Je me sens encore mal. T'adaptes tout juste à la gravité. Et c'est pas la même sur Mars. Pas magnifique. On attend à découvrir. Faisons un tour. Une petite partie de golf. Qu'est-ce qu'ils sont avec le golf, sérieux? Carrément, pareil, un mois de flotte. Ah. Je me suis accroupi près des trois membres de votre expédition martienne. Le reste de votre groupe était sur le terrain. Mais pourquoi ils nous parlent comme si nous, on était là? J'espérais sympathiser, mais... Quand vous avez arrêté de ramasser des plantes et avez chuchoté entre vous, vous sembliez aussi effrayé que confus. Étonné que je puisse respirer sans combinaison. Vous m'avez foncé dessus, donc j'ai couru. Putain, ils veulent le disséquer. Vous pensiez vraiment pouvoir m'attraper? Ha! Ah. On va rush, là. Ça va rush. Ce sont des Stormtroopers? On est dans Star Wars, ouais, visiblement. C'est pas possible! C'est celui de Richard, de la dernière expédition! Comment ils arrivent à respirer sans matos? Il faut qu'on l'attrape pour savoir. Bah, bougez-vous le cul alors, hein, parce que lui, il est déjà loin là. Il est parti! Oui, il est parti! Là? Dans la mine, vite, suivons-le! Let's gong. Ouais, bah oui, bah, amuse-toi toi! Hello all you Martians out there, it's time for another round of Rayu Nostalgia from Mars. Your soul's episode is an energetic tour de force. Nostalgia from the good old... Oh ouais. Buckle up, buckle down. Ah ah, Crocodile Dundee là. On va essayer d'éviter de se faire bouffer. Ok. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait? What? Ouais. Mais comment? Qu'est-ce que... What? Je suis censé faire quoi? Faut que j'évite tout? Je suis pas un ninja là, c'est bon. Mais qu'est-ce que... C'est pas par là. Ah si, d'accord, ok. C'est vrai qu'elle était, elle avait une couleur différente. On peut pas sauter par contre. Bam bam bam. Ah, le sound design. C'est bien, ils ont fait des bruits différents. Bravo. Oh non, c'est effrayant. Je peux monter dessus? Ok. Ah, peut-être par là. Oui. Je confondais le bouton. Ah putain, les grosses machines. Vous savez que ces machines-là, c'est les machines les plus énormes de la planète. J'avais vu, je sais plus, je crois que c'était Nozman qui avait fait une vidéo là-dessus sur les machines les plus mastoc de l'univers, là. Ah, de l'univers de sur Terre. Et ça, c'était une ville, quoi, le truc. C'est des Traukas, là, de l'infini. Terrible. Post-Extinction, le bagger de 288. Ah ouais, toi tu connais les noms et tout, Turtle. Waouh. 50-0. Hein. Okay. Petite roulade là. Ouais, par exemple, la musique elle est cool là.
Hop là, pisse-roi là. Non. Si ça va. Bon. On peut peut-être aller là. Ou pas. Hop, dommage. Pas sûr. Il y a une musique là-dessus qui traîne sur YouTube depuis un paquet d'années. Ok, ah oui, c'est vrai que c'est un loup. Ne vous inquiétez pas, hein. C'est normal. Aïe. Ah, c'est bon. Voilà, 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 je suis pas prêt. Attends, 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 tu vas où là? Tu vas où, Michel? Et quoi? Et donc? Tout ça pour? Pour se casser la chouille. Ok, super. Il y a un truc en bas, non? Ah, lui, il est pas mort depuis longtemps. Luxe. Salut Jean-Jacques. Ouais, je vois. Le pognon. Quoi? Mais c'est où? C'est où la suite? What? Ah, c'est de être en haut. Ok, non c'était dommage. Elle est quand même des sportifs le petit hein. Bon, on continue à droite j'imagine. Ah oui ok c'est là. Oula. Oh merde. Monte par contre, merci. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ok bah salut. Ah la pierre mort. Ah c'est vraiment la pierre mort ça. Ah elle était terrible. Oh là là. Mais attends mais ça aussi c'est les plus gros c'est un des plus gros camions du monde ça. Donc le petit quand il marche dessus ça fait tout bouger. J'y crois à mort. Ouais c'est bon. Je vais pas avoir deux fois par la même chose. C'est pas tout à fait vrai. C'est déjà arrivé, on va pas se mentir. Wow. Il y a quoi là-haut? En haut à gauche. Oh putain, ça m'énerve. J'imagine qu'il y a rien. Bien sûr. Bien sûr qu'il y a rien. L'animation du perso est... Ouais, vraiment, elle est sympa quand même. Je comprends pas à quel moment faut appuyer. Pas clair. Hein. Je pense qu'il y a des choses à améliorer hein, dans le jeu, mais. Et hop! Oula! Non! Voilà. Peut-être que j'aurais dû être discret, mais. C'est pas trop dans son. Ça n'a pas l'air d'être dans son tempérament, ça. Petit message. Le PDG Anderson nous met une pression de dingue. Il traite les ingénieurs comme des canassons. J'essaie d'optimiser le Pauper Gold Rose de toutes les manières possibles, mais je tombe toujours à côté. En fin de compte, nous ne comprenons tout bonnement pas comment fonctionne ce composé micellaire. Nous ferions mieux de nous en tenir au peroxyde de diazote. Mais il n'y a pas de hiérarchie auprès de laquelle se plaindre. Les ponts d'Alphaville font semblant d'être ouverts sur les réseaux sociaux, mais en réalité, ils sont entourés par une muraille de lèche-cul. L'anti-Alphaville Manifesto. L'histoire de toute société jusqu'ici existante et l'histoire des luttes des classes. La fameuse ouverture du texte de Karl May. C'est pas Karl May, c'est Karl Marx. C'est pas Karl Marx, c'est Karl May. Il y a un peu de tout, quoi. Bref, bon, on s'en fout. C'est juste pour un. Il est malin quand même pour un petit humain qui connaît rien aux technologies. Oh là! Oh là! J'étais pas prêt! Attends, c'est comment pour se baisser? C'est sur B. Ok. Ok. Ah!
Dommage, j'avais pas vu. Je me suis baissé, hein. Ok. Oh ! Mais d'où ? Ah ! Fallait pas sauter ! J'y ai pas cru. Je crois que je suis mort à électrocuter. Dommage. Ok. Oula, j'ai cru que j'allais mourir. Non, putain, mais je me trompe de bouton. J'appuie sur la stealth. L'animation de mort chaque fois est marrante. Hein. Ah bon, ça te fait rire, toi. Tu vois un enfant mourir sous les yeux et toi, ça te fait rire, toi. Ok, ouais, je vois le genre. Morty, m'attendais à un plus sensible de ta part. Hein. Attends, c'est où, c'est là ? Ah oui, improbable. Donc là... Ah, ça va, si on peut plus rigoler... Il se passe quoi, il se passe quoi, il se passe quoi ? On a vu un gros truc là, non ? C'était pas mal ça comme mise en scène. Faut aller où ? Je sais pas où faut d'aller. Où t'es derrière ? Comment ça va ? Mais qui est con ? Je pensais que c'était toi Morty qui l'a mis. Le petit dessin, bien sûr, je sais, j'ai bien compris. Ce n'est pas un monstre. C'est par là, tout simplement. Sinon, fais comme ça. Non, putain, mais je me trompe de bouton. Hein ? Ah, d'accord. J'ai cru qu'il m'avait foutu au tout début. Oh putain. Oh, j'étais pas prêt. Ah d'accord, ok, en fait il faut... Ah oui, il faut courir. Oh ok, wow, chaud. Pas mal ça. En vrai c'est pas mal ces petites phases de... Ah, c'est très classique dans ce genre de jeu. J'ai l'impression que ça va plus vite par là. Non, ouais c'est bon. Vite. Hop là. Là on fait ça. Pour revenir dessus, ok. J'aurais dû rester dessus, j'ai paniqué. J'aurais dû rester dessus. Quelle heure il est ? C'est 52, je vais pas tarder. Hein. On fait quelques petits sauts, mais parce que je voulais finir au moins un chapitre, mais peut-être que j'aurai pas le temps. Premier croc-croc que je mangerai avec elle à 13h30. À 13h10. Donc, c'est la promesse. Promesse tenue. Donc là, je fais rien. What ? Ah, fallait se baisser. Oh, le petit bâtard. Oh les petits bats. Après tu peux peut-être faire des speedruns ou des trucs comme ça. Non mais d'où ? C'est un death and retry. C'est un dead and retry, ouais c'est ça. Bah c'est un... C'est tu vois, genre un peu comme Inside tu vois. Si t'as déjà fait l'Inside ou Limbo, c'est des énigmes, c'est un jeu... C'est un platformer à énigmes et à narration. Même si des fois la narration est un peu cryptique mais... Non! Non! Ouais, est-ce que ça va être un peu de juste là, non? Ah, c'est trop tard. Limbo, je connais Inside? Non. Ah, bah, je te conseille. Inside est... Je préfère Inside à Limbo encore. Mais. Vu que t'as trinqué d'avance, j'ai plus le droit de trinquer? Mais si, bien sûr, tu peux, mais viens! Viens, mon Tider, viens. Ah! Ah! Bien sûr! Mais Serda, calme-toi! Mais ah voilà, alors voilà. Tu donnes ça, ils prennent ça, quoi. Aïe, la chouille. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Ouais. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Ah, bien sûr. Je pourrais vous tuer, je crois. Bah oui. De chagrin. Hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Bien sûr. Ça va où, ça va où ? Fallait pas lâcher. Dommage.
Oh non. Comment ça va, Axel? Ça fait plaisir de te voir. Ah, tu as le don, Axel, de venir toujours faire un petit stop dire des trucs quand c'est fini. J'adore. Et pas, non, pas toujours. Non, c'est, qui c'est qui fait ça aussi? C'est Jelly aussi. Jelly, elle adore venir à la fin des lives. Alors, tu vas bien, Axel, en tout cas. Pas un reproche, hein. Ça fait juste rire. Oh putain. J'ai cru que j'étais allé trop vite. Le comble. Ok, je reste là. Donc là, il faut toucher à rien. Oh putain. Si c'était ça. Terminer la séquence du chariot dans la mine. Bravo. C'est un succès, quoi. C'est toujours un succès. Muscovitch, PDG d'AlphaVille, dévoile le nouveau carburant des fusées pour Mars. Aïe, aïe, aïe. Petit holocauste, là. Nucléaire. J'espère que ça va, en tout cas, Axel. What? Oui. La fistière. J'aime bien la mise en scène. Non, mais il y a des trucs intéressants. Le jeu est sympa, quand même. Ça me va. Je suis plutôt convaincu. Morty, je pense qu'il te plairait. Oh là là, ouais. Non, puis l'animation des persos est pas loin, elle est pas dégueu, hein, c'est assez propre. AlphaVille. Le maire d'AlphaVille jure que les fusées feront plusieurs allers-retours pour évacuer tous les citoyens d'AlphaVille. Tu parles. Bah, tout ce qui s'est passé, j'imagine. D'un zéro à beaucoup plus. Alors, on va peut-être pas tout lire, mais... Nous avons loupé l'étape 2 du Propel Gol Rose, étant donné la nature expérimentale de ce carburant créé par hasard suite au sabotage des insurgés. La substance micellaire est très imprévisible. Nous croyons toutefois que les délais de la mission Espoir sont atteignables. Vers l'infini et au-delà. C'est pris, ça. Je la ref. Voilà. Ils vont me cramer. Les services de renseignement de l'Heptagone dévoilent le plan secret des insurgés pour prendre AlphaVille après le lancement de la mission Espoir. Ah oui, d'accord, ok. Il y a eu carrément une... Donc là, il faut que je me cache, c'est ça? Ah. Dommage. Ah, une flèche dans le fiac. Apprentissage par l'erreur. Mourir de 10 façons différentes. Ah, mais il me tue carrément. Go. Ah, mais oui, putain, je voyais pas la branche. C'est con. Je suis dans le métro pour aller à un rendez-vous neurologique. Ok. Ça se passera bien, mon cher Alex. Axel, pardon. Toujours Alex, Axel, hein. Surtout, ne m'en voulez pas. Comme d'hab, hein, c'est... Voilà, ça me trigger. Ça, c'est pro, ça. Oh putain. L'heure, il est. Allez, 58. Je passe ça et puis après j'y vais. Le guide des insurgés. Ah, j'aurais bien continué presque, mais je regarderai ça chez Morty. Ça ira très bien. Allez YouTube, I gotta go. Je vous laisse continuer cette découverte, en tout cas, de Cub. Donc, merci encore aux devs et à l'éditeur Untold Tales, en particulier, qui, je crois, m'a envoyé la clé. Merci beaucoup. C'est sympa, écoutez, main à main, c'est plutôt agréable et tout. Ce sera pas de suite, mais c'est pas grave, Morty. Hein. On aura l'occasion d'oublier un peu le début, comme ça, c'est parfait. En tout cas, YouTube, n'hésite pas à mettre... un petit pouce bleu si cette découverte a plu et t'as enjaillé. Je vous laisse la suite du gameplay à découvrir vous-même. Hein, tout. Ah, il y a une petite animation aussi quand on arrête de bouger. S'assied sur son casque. Trop cool. Bisous YouTube, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Equilibrium. Bye bye.